on a vu Masih al-Dajjal, on a vu la descente d'Aïs alayhi salam, on a vu Gog et Magog, et puis aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les 7 qui restent. Nous avons vu ensemble lors de la dernière conférence que le prophète Aïs alayhi salam invoquera Allah ainsi que ses compagnons afin qu'ils soient débarrassés de Gog et Magog. Vous vous rappelez? Et Allah Azzawajal enverra à Gog et Magog des vers sur leur cou. Au matin, ils mourront tous comme un seul homme. Ensuite, Allah Azzawajal fera tomber une pluie qui n'épargnera aucune maison, qu'elle soit en briques ou en poils. Elle lavera la terre, si bien qu'elle la rendra aussi lisse qu'un miroir. Tout ça, on l'a déjà vu. L'époque de Issa alayhi salam sera une époque de sûreté, de paix et d'aisance. Allah Azzawajal enverra des pluies abondantes. La terre fera sortir ses fruits et ses bénédictions. Les biens couleront à flot et l'inimitié, la haine et la jalousie disparaîtront. Ça sera une très bonne époque. Puis lors d'une nuit, les gens dormiront et au matin, les croyants se réveilleront pour accomplir la prière de Sobh, comme à leur habitude. Puis après la prière de Sobh, ils s'étonneront qu'il fait toujours nuit. En principe, lorsqu'on sort de la mosquée après la prière de Sobh, on voit les premières lueurs de l'aube, n'est-ce pas? Et pendant ce jour-là, il fera nuit. Le soleil n'apparaîtra pas. Wallahi al-Azim, ça fait peur. Imaginez-vous un petit peu. L'heure du Dhuhr arrive, il fait toujours nuit. L'heure du Asr arrive, pareil, il fait encore nuit. L'humanité entière assistera à ce jour-là. Ce jour qui est un grand signe de la fin des temps. Il s'agira du premier signe d'entrer dans la phase de bouleversement général de la situation de l'univers tout entier, qui est le lever du soleil de l'ouest. Le lever du soleil de l'ouest. Ce soleil qu'Allah Azzawajal a créé s'est toujours levé de l'est pour se coucher à l'ouest. Allah Tabaraka Ta'ala l'a créé et l'a placé selon un calcul minutieux. Le soleil est une créature d'Allah qui lui obéit. Allah Tabaraka Ta'ala dit dans Sourate Yasin, Sourate 36, verset 38, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. C'est Allah Tabaraka Ta'ala qui contrôle le soleil. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieille. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la lune devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Et chacun vogue dans une orbite. Abu Dhar radhiyallahu anhu nous rapporte qu'un jour le prophète a dit « Savez-vous où va ce soleil ?» Ils répondirent « Allah et son messager savent mieux. » Il poursuivit « Le soleil vogue jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône. » Alors il se prosterne et ne cesse de rester ainsi jusqu'à ce qu'il lui soit dit « Lève-toi et retourne d'où tu es venu. » Vous suivez? C'est Allah Tabaraka Ta'ala qui donne l'autorisation au soleil de se lever une nouvelle fois. Il retourne donc et se lève au matin de son levant, yani de l'est. Puis il vogue jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône. Alors il se prosterne et ne cesse de rester ainsi jusqu'à ce qu'il lui soit dit « Lève-toi, retourne d'où tu es venu. » Il retourne donc et se lève au matin de son levant, yani de l'est. Puis il vogue sans que les gens n'y trouvent quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça devient une chose normale. On a l'habitude maintenant de voir le soleil se lever de l'est et se coucher à l'ouest. Il retourne donc et se lève au matin de son levant, yani l'est. Puis il vogue sans que les gens n'y trouvent quoi que ce soit, jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône et qu'il lui soit dit, écoute bien, dresse-toi, lève-toi au matin de ton couchant de l'ouest. Ce jour arrivera où le Créateur du soleil lui ordonnera de se lever de l'ouest. Et il se lèvera alors au matin de son couchant, yani de l'ouest. Le prophète ﷺ demanda, « Savez-vous quand cela aura lieu ?» Ce sera lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. À ce moment-là, sachez-le, Allah Tabaraka Ta'ala n'acceptera plus de repentir. Le hadith, il est rapporté par Mouslim et l'imam al-Bouharaïr le rapporte de manière Résumé. Cette dernière phrase du hadith est citée dans un verset. Dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 158, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. L'imam At-Tabari, rahimallah, a dit dans son tafsir que les hadiths authentiques prouvent que les certains signes cités dans le verset désignent le lever du soleil de son couchant. C'est d'ailleurs l'avis de la plupart des exégètes. Ça, c'est dans le tafsir At-Tabari. Et Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, yani de l'ouest. Lorsqu'il se lèvera, yani de l'ouest, et que les gens le verront, tous croiront. Tous ceux qui seront sur terre et qui verront ça croiront en Allah. Tous croiront. Mais ce sera lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance, rapportée par Mouslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sera trop tard pour eux. Ça sera trop tard. C'est comme quelqu'un qui se repent au moment de l'agonie. C'est trop tard. Celui qui ne s'est pas repenti avant l'agonie, c'est trop tard. Celui qui ne s'est pas repenti alors que le soleil s'est levé de l'ouest, c'est trop tard. C'est trop tard. L'imam Al-Qurtubi rahimullah a dit: les savants ont dit que la foi ne profitera à aucune âme au moment du lever du soleil de son couchant, car la peur qui saisira leur cœur, éteignant toute passion de l'âme et affaiblissant toute force du corps, classera tous les gens dans la même catégorie que ceux à qui la mort se présente. Vous comprenez? En fait, la peur qui va les toucher à ce moment-là, elle est tellement forte qu'ils seront exactement comme les gens qui sont aux derniers instants de leur vie. Celui qui agonise, c'est trop tard pour lui. Il y a un hadith dessus, on va le citer après, Inch'Allah. Et bien ces gens-là, tellement le signe sera grand et immense, la peur qui va les saisir les classera dans la même catégorie que ceux à qui la mort se présente, n'étant plus poussés par la moindre incitation à commettre les péchés et leur incapacité à le faire. À ce moment-là, tout le monde croira en Allah. L'imam Al-Qurtubi dit: celui qui se repent dans une situation pareille, son repentir ne sera pas accepté, tout comme le repentir n'est pas accepté pour celui à qui la mort se présente, alors qu'il agonise. Là, ici, quand on parle de repentir non accepté, on parle de tous ceux qui seront vivants sur terre, musulmans ou non. Ça sera trop tard. Selon Abu Huraira, le prophète a dit: il est trois choses qui, lorsqu'elles apparaîtront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou n'avait acquis aucun mérite de sa croyance: le lever du soleil de son couchant, la fumée et la bête de la terre, rapportée par l'imam Ahmad. Mes frères et sœurs, lorsque ces signes apparaîtront, la foi de celui qui n'était pas croyant auparavant ne sera pas acceptée, tout comme le repentir du pécheur ne le sera pas. Et pour ce qui est de l'agonie, on en a parlé tout à l'heure, selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah, glorifié et honoré, accepte le repentir de l'homme tant qu'il n'est pas à l'agonie. L'agonie, c'est le moment qui précède immédiatement la mort. C'est ce qu'on appelle Al-Ghargara. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 18: mais l'absolution, donc le pardon des péchés, n'est point destiné à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie: certes, je me repens maintenant. Non, il n'y a pas de repentir à ce moment-là, c'est trop tard. Certes, je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Donc eux, il n'y a pas de tauba maqboula. Pharaon a demandé pardon à Allah quand il a vu qu'il allait se noyer. Allah Azzawajal n'a pas accepté sa tauba. Allah Tabaraka Ta'ala a dit dans Surat Yunus, Surat 10, verset 90 à 92: et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis, quand la noyade lui atteint, ça y est, il est en train de se noyer, il est en train de mourir. C'est les derniers instants de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Ah, maintenant tu commences à croire en Allah. Quand c'est fini, tu es en train de te noyer. Pharaon a dit par la suite: et je suis du nombre des soumis. C'est-à-dire que ça est maintenant, je suis musulman. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Et selon Abu Musa al-Ashari, le prophète a dit: Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour, et le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit, et ce jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, yani de l'ouest. C'est rapporté par Mouslim. Mon frère, ma soeur, le soleil ne s'est pas encore levé de l'ouest. Il est donc grand temps de se repentir. Mon frère, ma soeur, à quand un repentir sincère? Un repentir plein de regrets, plein de détermination à ne plus désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce que nous allons regretter ce que nous avons fait de mal? Ne remets rien demain. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Prenons l'engagement de nous éloigner des péchés, de reprendre la prière délaissée, de nous comporter convenablement, de prier avec le cœur, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous guide, de s'écarter des péchés et des mauvaises fréquentations. Je répète le hadith qu'on a déjà cité. Selon Abu Huraira, le prophète a dit: il est trois choses qui, lorsqu'elles apparaîtront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou n'avait acquis aucun mérite de sa croyance: le lever du soleil, de son couchant, la fumée et la bête de la terre, rapportée par l'imam Ahmed. Imaginez-vous un peu ces gens-là qui vont assister à cette scène. Le lever du soleil de l'ouest. Ils n'ont pas vu le soleil pendant ce jour-là, et puis d'un seul coup, le soleil se lève de l'ouest. Ils assisteront à des événements terrifiants et surprenants, poussant à reconnaître et accepter l'existence d'Allah et de ses signes. Ceux-là seront semblables à celui qui est en train d'agoniser. C'est trop tard. Combien de fois tu as écouté les rappels en te bouchant les oreilles? Combien de fois tu as refusé d'obéir à Allah et son messager alayhi salam? On a donc dit: le soleil se lèvera de l'ouest. Puis après cela, la bête de la terre apparaîtra. La bête de la terre. Al-Hakim rahimallah dit que le soleil se lèvera de l'ouest. Après cela, la bête apparaîtra. Mais qui est cette bête et que va-t-elle faire?